Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. C'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois. Merci Nabandeko, Baza Ebele, dispersé à travers le monde. Bazo réagir. Merci Minginabino. Ndeko, vous savez, si vous nous aidez à faire bien ce que nous faisons, on vous sera toujours reconnaissant et vous pouvez aider les gens pour aider Bato Ebele. Merci Mingi en tout cas. Nous avons vous remercier Bato parce qu'il faut le faire. Il y a 92 personnes qui ont déjà accepté de nous aider. Et bah Simbi, Babilo Konabango, Bambo Konabango, tout ça. Il y a 92 personnes. Merci beaucoup. Hier, il y a 37, si on a commis Babaksami 55, il y a eu que l'obit, plus que ça. Pour qu'on a mis Maté, en tout cas, aidez-nous à atteindre ce montant-là. C'est 168 000 dollars pour avoir une télévision et une radio à Kinshasa afin que tout permettre Bandeko Balandarabiso partout à travers le Congo, besoin de gratuité, il y a information et Panabiso. Vous savez, si nous, nous avons une radio ici, rassurez-vous d'une seule chose, 2 mois ou 3 mois suffiront pour que ma mentalité bouge. Parce que nous pouvons savoir là où tu vas toucher. Étant nous-mêmes dans le média, étant nous-mêmes dans la population, tu sais ce que ça peut faire et vous aurez des programmes diversifiés. On a des compétences, mais nous n'avons pas seulement des moyens. Or, si vous nous aidez à faire ça, vous allez garantir pas l'indépendance de Nabisso. Quand on est un politicien, ça va bien. Mais dans la contrainte est belée. Et dans la contrainte est belée. Et puis, on a un tour évidemment compliqué. Mais quand vous avez un bon anonyme, par-ci, par-là, dispersé à travers le monde, on dit que vous avez la pression sur vous, pression sur la vérité. Vous avez la vérité, c'est tout. Mais quand vous êtes de l'autre côté, on vous donne de l'argent, vous commencez à avoir un peu de réserve. Dans le babouité, vous dérangez. Alors, vous avez une dépendance. Voilà pourquoi nous venons vers vous en vous demandant de nous aider. Donc, vous avez ça la plus et la problème. Vous avez ça 2 dollars. Euro pèse à 1000, euro pèse à 15 000, 20 000, 100 000 même, il n'y a pas de problème. Nous, on attend que vous. Tout peut passer dans un MPSA, dans un groupe qui peut réagir. RTL Money, ils en assez. MPSA, ils ajustent 081 37 34 492. Nous sommes vraiment en train de faire cette campagne, peut-être pendant 3 mois. Ceux qui vont réussir, qui vont réussir mon temps, pour que vous allez ensemble et pour que ça vous soit un très grand plaisir. Bande de qui vont réfléchir sur. Encore une fois, ma question politique, il y a beaucoup d'ambition. On m'a dit, les gens qui donnaient l'impression d'être forts, bato batayi coupé, c'est l'impression qu'il batama kasi, batama vulnérable, batama invulnérable. On a réellement compris que ce n'était que des hommes, ce n'était pas des dieux. Nous, on le savait. Moi, personnellement, je savais. Naibaki que le FCC n'était plus fort comme il pouvait le voir, comme il pouvait le dire. C'était une nébuleuse. Nakati, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations, beaucoup de macambébélés Nakati. Et qui n'attendait qu'un petit geste pour que Motepe là. Mais aujourd'hui, toutes les preuves sont là. La peur du FCC est bimi na monsieur Batou Nyonso. Ko bang et monani. Monique Batou, mine na ko bang. Azo bang ni boyebi.
ils ont peur de beaucoup de choses. Je le dis dans la première partie, je peux le dire encore, ils ont peur de beaucoup de choses. J'ai des dossiers ici, par exemple, Bazobank. Bazobank, pourquoi? Ce que tu as dit, c'est un dossier à bancarisation. Juste dossier à bancarisation. Bah, lui, le loke, les inspecteurs judiciaires, pour nous, nous avons dit qu'il y a un inspecteur judiciaire, il y a un côté à bancarisation. Mais beaucoup vont tomber, mes frères. Beaucoup vont tomber. Est-ce que vous savez ce que le dossier à bancarisation est un élément? D'après ça, il y a un élément. Bancarisation, globalité. Mais quand il y a paye à un fonctionnaire, juste la paye des fonctionnaires. Mais quand il y a un point, non, quand il y a paye à un fonctionnaire. Entre août 2011, Tilelo, août hein, 2011, Tilelo, tu as un bateau qui a touché 15 fois salaire na bango. 15 fois. Est-ce que vous imaginez ça? Il y a des Congolais qui touchent jusqu'à 15 fois leur salaire. Il y a des Congolais qui touchent jusqu'à 40 fois leur salaire. Bah, toucher plus de 40 fois salaire na bango. Donc, il y a plus de 15 requérants. Plus de 15. Bazali. Ce qui est obligé de qu'il y ait un doublon. Le doublon, on peut compter 43 000 doublons. 43 000 doublons. Le 43 000 doublons dont je vous parle n'est pas à comparer à un fictif. Dans le fictif, on peut parler de 133 000. Plus de 133 000 fictifs. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le crime y a modèle 43 000 là. À peu près, quand on paye, près de 43 000. Mais le chiffre est sous-estimé. Mais c'est au-delà de ça. Bon, je voudrais que les gens comprennent une chose. Le doublon, n'est pas libre comme besoin de deux fois. Mais attention, nous avons des gens, les Congolais, 150 fois. Ça veut dire, Yemoko avait 150 comptes, a créé 150 comptes. Après, on va qu'ici, on a 43 000. On va qu'ici, on a 133 000 personnes. Bref, 180 milliards de francs congolais et Kendakaboué. 180 milliards, à peu près un milliard. Oui, Kendakaka, on a mis le coin, et Kendakaboué. Pour rien. Presque par an, quoi. Un milliard de dollars, et le Kende, on a un bon goana. Et les gens disent que, et là, parce que, parce que, on a un côté, on a un milliard de dollars, et le Kende. Banan Yango Bazalaki, bah, propriétaire. Il y a bancarisation. Banani basa la bancarisation. Qui avait l'idée de faire la bancarisation? C'était quelqu'un d'autre. Hein? C'est un monsieur qui était venu des États-Unis, il a fait ses études là-bas, a eu un projet à bancarisation. Ah. Mais le projet a été mal, alors très mal exécuté. Le projet a été très mal exécuté au point que peut si et permettre ma bêtise et belé. Balongoli mbongo na maboko ya ba comptable balobi non mes frères c'était Balongoli Saint Jean ba petit Saint Augustin ba petit Saint Paul. Est-ce que vous imaginez bloc modèle wana? Donc deuxième chose, listing établi par la direction de la paye, le montant figuré au est dans la carte, il y a ordre, il y a paiement informatisé au bien opi de 27 millions sur le 180 millions de francs congolais par mois. Est-ce que vous imaginez le modèle? Parce que tout ça qui n'a OPI, ça veut dire OPI est l'ordre de paiement informatisé. Et pas ces chiffres en gros. Mais sur le terrain, quand on y va pour voir, on se rend compte que eux, ça n'a rien à voir. N'a pas été la bino du Solomon avec qui n'a équateur, non? Balobi au centre de santé, Mokozawa, tout ça. Bah dans combien de coups, dans 57. Lorsqu'on va faire le contrôle, il y a deux personnes. Centre de santé, pardon, zone de santé. Babi Bato, Baga 77. Baga Koum, Bakouti, il y a deux personnes. Deux seulement. Alors, Bato, Moussou, Bazapi. Ces gens-là n'existent pas. Ils n'existent pas. Maintenant, il y a combien de zones de santé dans le secteur? Baga, combien? Au Gomu, Naboué, Ban Poulon fictif, et combien Bélé Namboka, et Mbongouane, et Zongouane, et Batoumouro Boué, Bagouliaga Mbongouane. Alors, ils ont fait ça pendant des années et des années. Aujourd'hui que la justice veut se réveiller, ces gens-là ont peur. Baoki Sangoya Go Pass. Le président Fachi dit qu'il veut aller jusqu'au bout. Likamboya Go Pass, Bakangabatu. Il commence à trembler. Oh non, tu as Comment tu as Go Pass, tu as Go Pass.
On vous a laissé plonger dans la bêtise. Maboko na bino koma complètement dans le sac. Et aujourd'hui, vous êtes mal à l'aise. Vous savez, la réforme de la justice est dans la souka, un socle, un abisso, pour notre se développer. Mais un autre élément important, vous savez, c'est quoi? C'est quoi un autre élément important? Un autre élément important, c'est que dans les laboratoires du FCC, ils sont en train de se poser des questions. Ils sont en train de se dire ceci. Félix Tshisekedi vient de taper un bon coup sur l'international. Il a donné des signaux importants dans Libanda. Le premier signal qu'il a donné, c'est que chez lui, la justice va au badiné sauter. Parce que malheureusement pour la Fatshi, il n'y a pas des gens qui ont bien vendu cette affaire. Malheureusement. Cette histoire, il y a un gage mouné pour naïe. Malheureusement, l'équipe de communication du président, encore une fois, ne fait pas bien son boulot. Et le ministre de communication, lui encore, ne fait pas son travail. Ils auraient pu vendre bien, mais comment vendre bien si le ministre de communication est un poulain du condamné Kamere? Je ne vois pas comment il va dire ça, comment il va vendre cette image-là. À l'époque, il y a M. Kabila. Bakangi Mutuna Makambo au bout. Mais on trouve la latin. Monsieur Wana veut le Kana TV, matin, midi, soir, comme matrek. RTNC, jour et nuit. Ce qui est là qui n'est pas qu'à Kabila, c'est-à-dire tous les jours, du matin au soir, tu as un procès dans la RTNC. Chaque jour, tu as un procès. Tu as un même prêt à recevoir ma pancarte dans la balle, pour tout le monde appelait que justice est tombouani, juste de salut. Mais, époque à Fatshi, personne n'en parle, et c'est un fait divers. Pourtant, ce n'est pas un fait divers, c'est un signal très fort. Comment nous pouvons suivre les chaînes internationales sans qu'on en parle, sans qu'on parle de ça? Et quand on parle de ça en mal. En mal. Oui, parce que ceux-là ont payé l'argent dans la chaîne étrangère pour qu'ils passent à la promotion à la Bango. Mais malheureusement, comme Fatshi, sa communication ne l'aide pas souvent, pourtant, c'est un signal important. Vous savez, les Béninois, les Nigériens, Tangi et Loko, mais oui, ce pays-là, ça va. Tangu le FMI, la Banque mondiale, même l'Union européenne, quand ils regardent, ils disent, mais oui, oui, c'est ok, ça va, ça va. Il a manqué juste une touche de communication pour qu'ils aient compris, ils ont un niveau dans le Libanda. Ils ont un exemple dans le Libanda. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais, qu'à cela ne tienne, le symbolique est Tikali. Le symbole est resté. Le symbole, c'est quoi? C'est qu'à partir de Nambo Kanabiso, Congo va bouger sous. Parce que, comme je l'ai dit dans la première partie, Yuma va être tout de suite, dans peu de temps, il sera, son affaire va passer, et ce qui va se passer, va se passer. S'il est condamné, il sera condamné. S'il est, disons, s'il est coupable, il sera condamné. S'il est innocent, il sera libéré. Mais au moins, la justice va faire son boulot. Et c'est ça le plus important dans Katia Mbok. Alors, Fatshi est bien parti. Sur l'étranger, sur l'international, il est bien vendu. La population, na Bukavu, na Goma, na Beni, na Est de la République, une partie seulement de personnes, Vital Kamerhe. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais dans l'ensemble, le peuple est très content. Le peuple est très content, non pas parce qu'on a condamné Vital Kamerhe, parce qu'il faut le dire, non pas parce que Vital Kamerhe a été condamné, mais le peuple est content parce que justice a été faite. La justice et Sali Moussa Lanayango. Pour une fois, on a vu ça et Sali Bango bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Le FCC réfléchit. Bah, on est à la 2023 et un candidat de moins dans la course à la présidentielle. C'est un candidat de moins. Fatshi reste le seul dans Minitoyo à avoir l'assentiment du peuple. En dehors de ta opposition. Bah, ta opposition, c'est vrai, bah, suis-moi. Malili, certainement ils vont se reprendre. Mais dans la minute, il s'est fait que Fatshi reste le maître dans le jeu. Et le FCC sait que par la magie mon côté, va voter Bango. Et Bélé, ils ne pourront pas avoir la majorité parlementaire. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront plus avoir la majorité parlementaire. Ils ne pourront plus avoir la possibilité de tricher et de se fabriquer une majorité à eux. Alors, comment il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer des crises. Bango va créer ma crise. Pourquoi? Pour que ceux qui vont créer ma crise, va contraindre Fatshi, c'est selon l'imagination, va contraindre Fatshi à Bengaka continuellement l'autorité morale pour qu'il va trouver la solution. Un peu comme pour dire, Toluki problème, Fatshi a monique complications, Zali, Fatshi appelle Kingakati. Est-ce que tu peux régler la situation? À l'époque, Fatshi le faisait. Quand il y avait un problème, il appelait.
Il dit là dans qui beauté. Mais depuis un certain temps, n'habitez ce que le président qui dit ça ou pas, ça je sais pas. Mais depuis un certain temps, Fachi s'est tu. Et le silence de Fachi devient assourdissant. Bah ton côté qu'on va supporter sous silence on l'a. Il ne dit rien, il ne parle pas, il ne communique pas. On ne le comprend pas. Ces gens-là se posent beaucoup de questions. Ils disent, mais c'est quoi l'affaire? Le gars ne parle pas, il n'agit pas. Tu comprends, tu as le banni. Donc, les cambours, au fond, il y a le banni. Même pour dire un mot à ses proches, il ne dit plus rien. Alors, et de l'autre côté, ils ne le comprennent pas. Et moi, je reviens à la charge. Je dis, monsieur le président, s'il vous faut encore vous taire pour longtemps, faites-le. Créez un mythe autour de vous. Que ces gens-là se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils pensent dans la tête? Et quand vous allez agir, ils seront surpris. Parce que celui qui ne parle pas, on ne sait pas le calculer. Celui qui n'agit pas, on ne sait pas le calculer. Il est imprévisible. Et quand on est imprévisible, on est incontrôlable. Et il est bon pour un président d'être imprévisible, d'être incontrôlable. Il est bon pour un président d'être imprévisible et incontrôlable. Comme ça, le jour où tu frappes, le temps que Bangoma Lukamwe va arranger, c'est trop tard déjà. On aura la quête vacances parlementaires, bah! Dissolution à l'Assemblée nationale. La police, c'est une police républicaine, non? Une police équipée, une police formée. Oui, la police va montrer sa formation. Et quand on va dans ces conditions, le monde va comprendre que comment on va faire. Maintenant, la course en 2023, c'est là le problème. Comment faire? Fachi a lobby au Kenya place Moussouté avec la justice. Et pour que la justice fasse quoi? Pour que la justice mette tout hors d'état de nuire. Et parce qu'ils sont informés, ils savent que dans peu de temps, Okangabango est belé. Et moi, je peux vous le garantir, mes frères, beaucoup, ils seront tous arrêtés. Croyez-moi, les lots, peut-être les lots, vous savez bien noter. Mais je peux vous garantir déjà. Je vous avais déjà dit, Marambouto et comment, non? Déjà. Et je peux vous garantir que Bango va couper. Il y a des têtes qui vont tomber dans peu de temps seulement. Bogoyoka. Avant Bango va bêta, ils seront frappés, malheureusement. Parce que la décision, Bango va zuana et l'écater. Ces propositions de loi ne passeront pas. Non, elles ne passeront pas. Ils vont reculer. Kingakat, il va appeler pour dire non, non, abandonner cette histoire, trouver un autre point. Et ils vont trouver un autre élément. Ils vont revenir avec une autre proposition. Peut-être pas celle-là, mais ils vont revenir avec une autre proposition. Malheureusement pour eux, le peuple est très éveillé maintenant. Ils se rendent compte qu'on ne peut plus faire, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus. Donc maintenant, le jeu se trouve entre Fachi et l'opposition. Parce que le FCC conjugue déjà Baifor Nayasuka et qui est fin basouté. Au moins qu'il y a un seni, il y a un justice. Parce qu'il y a une justice. Il faut le seni. Si on a juste seni, on a la facilité de voir, de tricher, tout le monde peut être député. Maintenant, que le peuple va faire quoi? Le peuple va bloquer la seni, le peuple va bloquer l'appareil judiciaire. Il faut que le seni soit judiciaire, deux ans à part. Pourquoi? Parce que nous avons un rabbin. Il faut que le front. Il faut que le front bongo. Il faut que le 2, 3 fronts, 4 fronts, comme ça, vous allez distraire. Mais le peuple, cette fois-ci, était très vigilant. Le peuple a le but de faire coup par coup. Moko. Tout si bien nous justice, nous avons ici, à votre qu'il y a un seul. Parce que le peuple congolais va refuser toutes les propositions au FCC dans le cadre qu'on a empêché Makambo. La CENI, il n'y aura pas de candidats sans réforme. L'appareil judiciaire, il n'y aura pas de blocage judiciaire. Il n'y aura pas de violation de l'indépendance. Quand vous avez ces deux éléments-là qui vous bloquez, bloquez. Ils sont maintenant appelés à faire autre chose. Or, maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ce qui se passe de l'autre côté, c'est monsieur Fayulu, monsieur Bemba, monsieur Katumbi, qui ont parlé aussi. Et je les remercie, je les félicite. Bien après Bissot, bien sûr. Nous, on avait déjà demandé à l'opposition de parler, et l'opposition a parlé. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut maintenant de l'intelligence politique, de la sagesse politique, pour que bateau opposition va comprendre que c'est plus le moment maintenant, il y a qu'on travailler na Fachi. Pour ne pas isoler le FCC. Parce qu'en réalité, entre FCC et Cash, on sent qu'il n'y a plus rien. C'est je t'aime, moi non plus. Ce n'est plus une coalition. Maintenant, c'est une. Ils sont courts, maintenant ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Maintenant, il faudrait trouver un moyen, M. Katumbi, M. Fayulu, M. Bemba, de se réunir, de créer une force de résistance qui permettra à Fachi de quitter le camp là-bas. Or, quand Fachi quitte le camp de l'autre côté, il coopère avec. M. Batilukwebo. Il forme un bloc. Et quand ils vont former un bloc,
Je ne sais pas vous donner beaucoup plus de détails, mais quand ils vont former un bloc, qu'est-ce qui va se passer? Je peux vous garantir, déjà plus de 120 députés sont prêts. 120 députés du FCC sont prêts à quitter la barque. 120 députés sont prêts à quitter. Et quand je dis 120 députés, c'est des partis politiques. Hein. Souvenez-vous, le FCC, c'était un ensemble de partis politiques. Oh, bah, député, bah, moko. Hein. Parti politique, siège, naé, moko. Ils vont quitter le FCC. Or, comme le FCC n'a pas une personnalité juridique, quand ils vont quitter le FCC, ils ne perdront pas leur siège. C'est ça la beauté de la chose. Bah, on perd des sièges, bah, siège, na bangote. Ils vont faire quoi? Ils vont venir se rallier, na. Bato Bataki déjà, ah, ça veut dire le groupe de M. Bemba, le groupe de M. Katumbi, le groupe de M. Fachi, Bangojo ensemble. Parce que l'UNC ne partira pas avec le FCC, ne vous en faites pas. L'UNC ne partira pas avec le FCC. Et l'UNC présente aujourd'hui deux têtes. Je ne peux pas dire plus, mais c'est deux têtes. Une tête remportera, qui sera finalement après. Bon, bref. On aura finalement une histoire de 297 députés. De son annoncé député, le FCC est mis à côté. Le FCC est placé en minorité. Entre-temps, la justice fait son boulot. Parce que tous ces gens au Wangout en FCC, Bakoya, il y aura des accords politiques que je ne voudrais pas non plus dire sur les accords politiques qui auront des incidences dans Magambo-Bélé. Mais ça sera le prix à payer pour une démocratie. Ça sera le prix à payer pour le pays. Il y a des choses qu'on sacrifie parfois. On le sacrifie pour la création d'un État. Que les sages comprennent ce que je veux dire. Il y a des sacrifices que l'on fait. À un moment donné de l'histoire, on ferme les yeux devant certaines choses pour permettre la croissance de la meilleure des choses. Nakol bongo plus que t'es, mais nasuki kawana. Et zarabongo. Alors bakoya, 180. Bakoya. Suki baye, baomatsato. Et comme ibele. Au niveau du Sénat, ça sera de beaucoup plus facile. Là où ça sera très facile, c'est au niveau du Sénat. Et je vois une équipe, je vois des gens au niveau du Sénat. Qu'on montait ma motion contre Bateau aux Anabiro. Je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, là, on a ma motion. Cette fois-ci, il y a Sénat et Moko. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se faire dans peu de temps. Bon, on a bien Moko. Les gens pensent que de l'autre côté, on ne travaille pas. Les gens pensent que de l'autre côté, les gens n'ont pas d'idées. Les gens pensent que Bateau côté, Kounabana Makanisité. T'es Bana Makanisi. Ils travaillent. Ils travaillent Penza. Ils travaillent Penza. Il y a maintenant une forte mobilisation qui va se créer autour. Il y a ma opposant. Na Bateau pouvoir. Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, il est possible que ces gens se rencontrent soit dans le secret, soit en public. Et c'est cette rencontre-là qui va créer encore beaucoup de problèmes. Et regarde, ça va créer beaucoup de problèmes. Le jour où M. Katumbi, le jour où M. Fayulu, le jour où M. Bemba, M. Mozito, le jour où ils vont rencontrer Félix Tshisekedi, c'est le jour où vous allez entendre la déclaration scandaleuse, les déclarations du côté du FCC. Ils vont se rencontrer. L'information ne sera pas fuitée. Les gens verront seulement qu'il va Bassololi. Deux possibilités. Ou ça sera en public, ou ça sera en cachette. En cachette, c'est pour des coups. Bien précis, en public, ce sera pour du coup politique. Eh bien, Bourgoumou Nabinomoko, comment ça va se passer? Donc, quand ils vont reconfigurer la chose comme ça, ils prendront la CENI. Parce que le Félix Tshisekedi n'a pas peur de la réforme appareil électoral, pas du tout. Il n'a pas peur de ça. Martin Fayulu est prêt pour la réforme électorale. Katumbi, n'en parlons même pas. Il est prêt pour la réforme électorale. Bato, bazo, bang, réforme électorale, bang, FCC. Est-ce que vous imaginez un peu? Monsieur Badu Kouébo n'a pas peur des réformes de l'appareil électoral. Monsieur Katumbi n'a pas peur de l'appareil électoral. Monsieur Fayulu n'a pas peur. Monsieur Mozito n'a pas peur. Ces gens-là n'ont pas peur de la réforme parce qu'ils savent que Bakoza l'a réélu. Ils savent. Monsieur Fayulu a un discours aujourd'hui. Il a un discours et il peut être élu. Demain, la position, la place où il y a de la élu. Monsieur Bemba peut être réélu demain, na Nengue Yalingi. Monsieur Katumbi peut être réélu demain, na Nengue Yalingi. Monsieur Bati sera réélu, na Nengue Yalingi. Félix Tshisekedi, c'est indiscutable. Mais si quoi, Bangonde, bah, on a des difficultés. Il y a un moment où on a réforme électorale. Or, si quoi, l'opposition ne va tourner qu'autour de ces réformes-là. Monsieur Katumbi dira réforme, on a tout beaucoup de réforme. Et Félix Tshisekedi dira réforme. Le FCC dira pas de réforme, non, mais bah, ça ne marchera pas parce qu'ils seront en minorité. Et sera en minorité. Il y a un moment donné, est-ce qu'il y a un député, bon, c'est vrai, il y en a quelques-uns. Bon, moi, je ne les appelle pas des députés, ce sont des accidents de l'histoire électorale. Ils se sont retrouvés des députés, bon, bango na bongo. Mais aucun député de l'opposition, de la vraie opposition, n'a peur de comment on appelle ça, de dissoudre le Parlement. Je ne vois pas.
Je peux le citer nommément, mais il y a comme un conflit inutile. Il y a des députés dans le Bangaba dissoudre. Parce qu'il y a des dissoudre 20 fois. Et à cause de la gaga réélu parce qu'il a été effectivement élu. Mais bato va somba qui va voir. Ne pas au Bangébélé. Mon ami Christelle Vuanga n'a pas peur. Mon ami Christelle Vuanga n'a pas peur. Elle est honorable. Elle n'a pas peur de pas bander la belle élection. Elle sait qu'elle va être réélue. Il n'y a pas de problème sur ça, sur la question. Mon aîné Kouloutou Eliezer Tambou, Aïbi qui va voter Yekak. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Bon, bande la wande. Mais, bah, tout le monde dit, bah, tout le monde dit, tout le monde dit, tout le monde dit, bah, vous voyez, bah, bah, qui est candidat, bah, tout le monde dit, bah, il va voter, bah, voilà pourquoi ils ont peur dans le modèle wana. C'est comme si Moukeba était candidat à l'Assemblée nationale. Moukeba, il n'allait pas avoir peur parce qu'il sait qu'il allait être élu, il allait être voté. Et bien, le bon, tout le monde dit, bah, tout le monde dit, parce qu'il va voter, bah, tout le monde dit. Soit parce qu'il va conseiller qui peuple que, bah, conseiller, bah, bomba qui va partir dans Bango. Bah quoi ça qui peut le gomoussou soit parce que bah il bah mon gomo gens va ça qui alors tout ça bah tout à la babi à l'uroto que non et aux yeux y'a bah ton côté kuna ils savent que Fachi est bien parti pour 2023. Les gens vont dire mais il est bien parti pour 2023 pour avoir fait quoi? Non, pas pour avoir fait quoi, mais poser plutôt la question qu'est-ce qu'il va faire après. Ce qu'il va faire après, je vous avais dit mesdames et messieurs, le premier mandat de Fachi, ne pensez pas qu'il va créer des choses énormes et sa possibilité. C'est, ça relève de l'utopie. Le trou dans lequel le pays s'est trouvé, en 5 ans, on ne peut pas développer un pays comme ça. En 5 ans, on remet le pays narail. Et vous savez, qu'est-ce qui remet le pays narail? C'est la justice. Ce qui remet le pays narail, c'est la justice. Ce n'est pas le budget, non. Ce qui remet le pays narail, c'est la justice. Et là, on a raison que ça remboque narail de la gâte. Et Fatih a su toucher là où il fallait toucher. Ça veut dire réveiller les juges. Dire aux juges, allez, Ndego, levez-vous. Je vais vous donner une confidence. Certains hauts juges sont allés voir Fachi. Enfin, je vous dis, hein, vous pouvez vérifier. Bah, discuter pendant très longtemps. Les juges, dans leur tête, ils pensaient qu'après présent, on peut savoir moi directive. Ils pensaient. C'est Fachi qui remarque que les juges ne veulent pas partir. Pourtant, ils se laissent lire déjà. Il se rend compte que les gens ne veulent pas partir. Alors, je crois qu'il comprend. Je crois, hein, je pense que Fachi, il comprend qu'ils attendent quelque chose, ils attendent que je dise un truc ou pas. Et Fachi prend la décision, prend finalement l'idée de dire, bon, ok, on peut se lever pour partir. Et parmi entre il a lu que, ah, bah, il n'a pas douté belé. Et Fachi leur dit, cher juge, faites exactement votre travail. Faites exactement votre travail. Que personne ne vous dise le contraire. Comme si ça ne suffisait pas. Fachi, après avoir dit ça à Batouana, n'est pas naïe. Dans un conseil des ministres, il répète la même chose. Et il répond à qui? Il répond ça à l'éternel ministre. Vous n'avez tout boébi, éternel ministre. Il lui dit à l'éternel ministre, mais comment vous faites un effort? N'est-ce pas déjà que Makambo Togo changé un côté. Pourquoi vous insistez? Ça, il dit à l'éternel ministre. Et l'éternel ministre rentre ici, Batukunabi, mais Moutouana, Photobosana. Il ne comprendra jamais. Aboyinae. En fait, c'est comme ça. Mais donc, ça veut dire que pour la Batubele, hein, Fachi pourrait être élu, réélu en 2023, ce qui va casser que Bele à majorité parlementaire, on a Kangami. Gage, je vous dis, Fachi a réussi le mandat naïe au Nabilo Komi Bale. Gratuité, enseignement. Na justice. C'est les deux éléments primordiaux sur lesquels Fachi va gagner. Beaucoup. Et on va la yango. Mais tout dépend de la manière dont il va jouer le jeu. C'est tout ce qu'il faut. Et puis il faut que bande la yango. Ce qui a réussi dans le domaine judiciaire, et que va casser qui a majorité, et belé va kangi bango. Parce que va ba bongo à l'État. Parce que va derrière Makamba douane. Parce que va derrière Makambouya. Il y a ma banque. Parce que Bazana Makambu, il y a ma paye, il y a ma enseignant. Parce que Bazana Makamba Bukangalonzo. Parce que Bazana Makamba GoPass. Parce que Bazana Kimbongo na Makamba Passport. Parce que Bazana Kimbongo na Makambu ya Beseko. Parce que Bazana Kimbongo na Biloka ba Balabala. Parce que. Boebi que Baji, Batoumso, Bakangi, Bango, Bato, OVD, Bato, Yaba, comment on appelle ça? Je vais vous donner les noms, Yaba Kombo Bebelewana. Il y en a qui ont fait 3 ans, qui ont pris pour 3 ans, qui ont pris pour 2 ans. C'est des signaux importants. Mais malheureusement, Fachi n'a personne qui vendra son image. Libanda, Talisa Batouke, t'as la réalisation, justice, Salima Yango. Si les États-Unis sont États-Unis, c'est en fonction de leur justice. Tout le monde est arrêté là-bas. Ah donc, le président Fachi
Il est mort pour comprendre. C'est maintenant à lui de voir. Et toutes les chances sont là. Et quand on le dit pas parce qu'on veut faire plaisir au président. Non. On le dit parce que nous croyons fortement que Ah, on va faire bêtis. Et un autre très grand avantage, c'est que nous estimons et nous croyons fortement en la capacité du président de la République de reconsidérer les choses, par exemple, sur la justice. 2023, c'est dans peu de temps. Justice, enseignement, ce sont les éléments importants pour nous faire développer beaucoup. Même à l'extérieur, on vous prendra au sérieux. Et le président Fatshi a dit, Nabatounion, ce que Ache Mouté Manaye na inspection judiciaire. Ache Mouté Manaye na structure à Saliwana, comment on appelle ça? La lutte contre la corruption. Base na Yézawana. Mais c'est là où les gens sont malades. C'est là où les gens deviennent malades. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ce gars va nous lâcher ou pas? Mais on leur a dit, il ne va pas vous lâcher. Il ne vous lâchera pas, malheureusement. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Bissot, Sengi, Nailo, Komusosouté. On n'a pas de haine. Nous n'avons simplement que de l'amour. Et nous demandons aux gens d'aimer le pays. Toi, Rambo, Kamoko. Tout ça, la Michel a bien. Que chacun dise non, na. Merci, Bande Koubou, mais qu'un peu soutenir Bissot, qu'on aide Bissot, et que ça va être un grand plaisir. Qu'il y a la peur qui est dans ton esprit, et que Dieu bénisse les RDC. Maman, Afrika Union, mais quand t'es un nyonso, biloko ya ya wali yo Congolais, on y dit des colayo, à ça les salioté, pour la Corée na yo, moko ba bonne la yo, pour la Nzoto na yo, moko ya elei, moko ba bonne la yo, balobi bio, bio Afrika Union, et quand t'es tout à coup on a pas chinois, sinon Corée pas ya, sinon Corée ni. Les colayo na teka, alors teka biloko ya mboka, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio. Lisa.